Gaza est dévastée. Après plus de 100 jours de bombardements sans merci qui ont massacré plus de 25 000 Palestiniens et Palestiniennes, soit plus de 1% de la population de Gaza, et des milliers encore sont sous les décombres. À l'échelle de la France, cela ferait 680 000 morts. Mais ce qui est aussi dévasté à Gaza, c'est le journalisme. 118 journalistes ont été tués par les forces israéliennes depuis le 7 octobre, selon le bureau des médias de Gaza. Plus de 80 selon le comité de protection de journalistes, qui indique aussi dans sa dernière communication qu'Israël est devenu l'un des pays qui emprisonne le plus de journalistes au monde, avec 17 journalistes derrière les barreaux au 1er décembre 2023. C'est une attaque sans précédent contre le journalisme. Dans aucun conflit de l'époque moderne, tant de journalistes ont été tués. Chaque jour, un ou une de nos collègues est tué à Gaza. C'est un journalicide à Gaza, tandis que nos collègues aussi en Cisjordanie, à Jérusalem et dans le sud du Liban sont aussi menacés ou tués par les forces israéliennes. Pour la première fois, nous assistons à un génocide en direct et les personnes qui le documentent le font au péril de leur vie. Les journalistes qui continuent leur travail sur place le font dans des conditions effroyables. Beaucoup ont perdu leur maison, ont reçu des intimidations par téléphone, sont déplacés, ont vu leur famille ciblée et ou tuée, comme toute la population ont du mal à se nourrir et à se connecter sur Internet. Le ciblage des journalistes est tel qu'un photographe a témoigné qu'il ne pouvait plus trouver un logement car les gens ont peur de l'abriter. Il dort dans sa voiture en se demandant s'il est le prochain sur la liste. La veste de presse censée les protéger est devenue synonyme d'une mort annoncée. Nous, collectif Reporters solidaires, s'est formé tout d'abord pour exprimer notre solidarité indéfectible avec nos collègues à Gaza. Nous voulons leur dire, nous sommes avec vous, nous vous voyons, nous voudrions être à vos côtés. Nous voudrions ici que résonnent aussi ici les mots des journalistes qui sont sur place. Bissam Aouda, connu sur Bissam Wizard sur les réseaux sociaux. Dans une de ses dernières vidéos, on écoute le bruit des bombardements tout proche et incessant. Sa voix tremble. Je suis toujours vivante. C'est sûrement ma dernière nuit à l'hôpital Al-Nasser. Les tanks ne sont qu'à une cinquantaine de mètres, il y a des bombardements massifs, si proches de nous. C'est le dernier hôpital qui fonctionne à Gaza et sur le point d'être envahi. Des milliers de personnes qui s'étaient réfugiées ici, des blessés, errent sans savoir où aller pour trouver un abri. C'est une guerre contre les hôpitaux, contre un peuple. Je vous parle d'un endroit très dangereux, je dois partir maintenant. C'est peut-être la dernière vidéo. Je suis toujours vivante, mais je ne sais pas si je vais survivre cette nuit. Wael Hadadou, le correspondant et chef du bureau. Le correspondant et chef du bureau d'Al Jazeera qui a perdu 4 membres de sa famille, tués dans des bombardements israéliens, dont sa femme, 3 de ses enfants, un petit-fils. Un de ses enfants, Hamza, était aussi journaliste. Répond à un journaliste qui lui demande si les journalistes palestiniens se sont soutenus, notamment des journalistes occidentaux. Malheureusement, même si nous avons reçu un certain degré de solidarité de notre point de vue, et parce que nous payons un prix douloureux, on ne ressent pas un soutien suffisant et à l'auteur du prix que nous avons à payer. Plus de 100 journalistes palestiniens sont devenus des martyrs à cause des attaques israéliennes ces 3 derniers mois. C'est effrayant et cela n'est jamais arrivé dans les autres guerres ces dernières 20 années. Mais par rapport à cette situation, qu'est-ce qui se passe? Peut-être une déclaration ici ou là, quelques efforts, pas plus. Cela nous cause de la peine. Beaucoup de journalistes palestiniens se sentent abandonnés, laissés seuls face au massacre, face au carnage, à ce carnage. Le monde ne veut pas regarder la situation globale, the big picture, et ne nous a pas soutenus comme nous l'espérions. Nous ressentons que nous avons été tués 2 fois, une fois par les bombes et une fois par le silence.
Nous saluons l'immense courage du journaliste Wael Al-Dadou, qui est depuis sorti de Gaza pour se faire soigner. Ce silence, nous le ressentons ici dans nos réactions et nous voulons le briser. Nous, reporters solidaires, nous nous sommes aussi mobilisés pour dénoncer la couverture médiatique de la plupart des médias généralistes qui se contentent bien trop souvent de relayer la propagande israélienne et qui participent à la déshumanisation des Palestiniennes et des Palestiniens qui omettent le contexte colonial de décennies d'oppression subie par le peuple palestinien. Nous voyons les doubles standards dans le traitement de l'information lorsqu'il s'agit de l'Ukraine et de la Russie d'un côté et de la Palestine et d'Israël de l'autre. Un des exemples les plus frappants aussi du manquement dans le traitement journalistique a été la quasi non-couverture des audiences historiques à la Cour internationale de justice que l'Afrique du Sud a courageusement saisie pour le génocide commis par Israël. Indifférence quasi générale de la plupart des médias. Sur France Info, encore pire, un live a été fait pour la journée où Israël a présenté ses arguments, alors que le jour précédent, il n'y avait pas de live pour la plaidoirie historique de l'Afrique du Sud. Nous appelons les citoyennes et les citoyens à signaler de tels manquements à l'ARCOM. Nous déplorons aussi le manque de réaction des grands médias face aux journalicides en cours. Où sont les éditoriaux pour condamner ces attaques contre les journalistes et le droit d'informer ? Quelle serait la réaction du monde et des médias si c'était plus de 100 journalistes occidentaux qui avaient été tués ? Nous appelons la profession à réagir et à défendre les journalistes qui continuent leur travail sur place avec un courage qui dépasse l'entendement. Tous les journalistes et médias devraient s'insurger contre cette attaque contre notre profession. Journalistes, rejoignez-nous ! Aux institutions, nous demandons une intervention urgente pour que ces journalistes soient protégés, pour que nous, journalistes internationaux, puissions nous rendre à leur côté et faire notre travail. Et nous demandons aussi que les journalistes de Gaza qui souhaitent sortir de cet enfer puissent obtenir une protection et des visas. Enfin, nous demandons justice pour nos collègues tués par Israël. L'impunité d'Israël doit cesser. Nous voudrions terminer avec le cri d'appel de Motaz Aziza dans son interview avec Mehdi Hassan, que nous adressons notamment aux journalistes qui se taisent. Ne vous appelez pas une personne libre si vous ne pouvez pas changer quelque chose. Ne nous appelez pas une personne libre si vous ne pouvez arrêter un génocide en cours. Protégez les journalistes. Stop au génocide. Droit à l'information à Gaza comme partout. Droit à l'information à Gaza